Caprice à deux, caprice des dieux. Merde, mais oh, oh, mais mangez-moi, quoi. Ah ben enfin, tout de même. Jean Cabi, bon appétit. Ça y est, je l'ai enfin trouvé. Le coup de foudre. Ah bon? Et tu l'as trouvé où, la perle rare? Aux super occasions auto. Le salon de la voiture d'occasion, du 31 mars au 4 avril, porte de Versailles. Prix express, oncle Benz. 2 minutes au micro-ondes. Et c'est prêt. Alors allez-y, lancez-vous. Oncle Benz. Vous allez enfin pouvoir craquer sur un délicieux dessert. Parce que Sveltes recette dessert façon tarte au citron ne contient que 0,8% de matière grasse. Alors, pourquoi résister? Sveltes, ça vous va bien de vous faire du bien. Tous les jours, des milliers d'idées naissent. Des idées lumineuses. Des idées maladroites. Des idées folles. Et si on n'y prend pas garde, si on les abandonne à la première occasion, elles s'égarent, elles s'éteignent. À la SNCF, quand une idée nous paraît prometteuse, on en prend soin, on la nourrit, on la développe, on lui laisse le temps de prendre de l'assurance et des forces. On lui donne les moyens d'exister ailleurs que sur un bout de papier. SNCF, donnez au train des idées d'avance. Chaque jour, notre corps a besoin de se régénérer. Chaque jour, les produits laitiers lui apportent le calcium nécessaire au renouvellement de ses cellules. Les produits laitiers, régénérez votre corps. Découvrez le nouveau Febreze Action Anti-Allergène et ses effets sur la bonne humeur. Il réduit jusqu'à 75% des allergènes aériens provenant des tissus et élimine les odeurs. Nouveau Febreze Action Anti-Allergène, une idée bien fraîche. Je sais pas quoi dire. Ne dites rien, c'est mérité. Merci. Si nous avions fêté cette promotion au restaurant, vous nous emmenez? Oui, oui. Ah non, non, ma voiture est en panne. Depuis 2 jours, elle est sur le parking. Parce qu'une voiture mal entretenue ne vous mènera jamais bien loin, nous avons créé la révision approfondie Noroto. 80 points d'intervention et de contrôle. Avec un chiffon classique, vous ne faites que déplacer la poussière. Maintenant, c'est fini. Avec le nouveau plumeau attrape-poussière de Please. Le plumeau Please, grâce à ses fibres ultra-dufteuses, attrape et emprisonne la poussière. Et lorsqu'il est sale, remplacez-le par un nouveau. Nouveau plumeau attrape-poussière de Please. Le toucher, c'est l'adopter. Entrevue présente. Choc. Encore plus percutant. Plus de 250 photos encore plus choc. Choc, le nouveau magazine d'actualité. Un jeudi sur deux chez votre marchand de journaux. Bonjour madame. Bonjour. C'est le nouveau four. Voilà, je vais vous demander, oui, une petite signature s'il vous plaît. Merci. On vous reprend l'ancien bien sûr. Hop, 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 hop. Si les petits pots de crème de la laitière en se fondant cette saveur, c'est parce qu'ils sont cuits au four. Quelqu'un a une meilleure idée? Les petits pots de crème, ce goût-là, c'est la laitière. Tout nouveau, les petits pots de crème saveur biscuit. Journée technologique, la Toyota Yaris série limitée créative est à partir de 10 990 euros avec un baladeur MP3 pour 1 euro de plus. Heaven, I'm in heaven, and my heart
Chez Sun, nous prenons tous les problèmes de vaisselle au sérieux. Alors nous testons et retestons nos produits pour vous garantir les meilleurs résultats. Aujourd'hui, Sun fête ses 40 ans. 40 ans d'expertise à votre service. Et pour ses 40 ans, c'est Sun qui vous offre des cadeaux. Profitez-en. Découvre la galaxie Gervais. Dans les lots de Gervais aux fruits, il y a 20 Galacticos à collectionner pour les faire rêver. Mais maman! Déjà? Je recharge avec de la lumière et en route pour la planète Mars. On colle et on décolle avec la galaxie Gervais. Éteins la lumière et retrouve la galaxie Gervais sur les Gervais à boire. Nouveau Bref WC Tabs 3 en 1. Là où la balayette ne passe pas, la tablette détartre, élimine les bactéries et libère un agréable parfum agrume. La propreté est totale. Bref WC Tabs 3 en 1, la propreté au plus profond de vos toilettes. La qualité Henkel. Elle a été violée, puis étranglée, ou le contraire? Elle avait 37 ans, docteur en médecine, obstétricienne. Il n'y avait pas d'empreinte? Tout a été scrupuleusement nettoyé, sauf une demi-empreinte d'un sexe féminin. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de cette fille pour qu'elle se rende complice d'un violeur? Vous pensez à quoi? Un couple de pervers qui tue et mutile ses victimes? Comme ça, par plaisir? Vous savez, la sauvagerie n'a pas de sexe. On n'a pas de témoin, pas d'indice. Quelque chose qui va vous intéresser? Non, ne dites pas que la chance a tourné. Ah, peut-être bien que si. Julie Lescaut, demain à 20h50 sur TF1. Vendredi, les 50 meilleurs moments de la première compagnie. Yes! Voici venu l'heure du bilan. Les 12 recrues et leurs instructeurs se retrouvent sur le plateau pour revivre les moments les plus drôles. En forêt, avec un truc comme ça, ça va faire comme une lime. Eh ben, y a pas où tu veux. Les plus éprouvants. J'en ai rien à secouer. Les plus insolites de leurs 7 semaines de jungle guyanaise et de discipline militaire. Et parlez-moi plus souple, parce que moi, je vais vous parler plus dur. Soyez là, ou ça va border pour votre matricule. Première compagnie, les meilleurs moments, vendredi à 20h50 sur TF1. Vous allez adorer ce qu'ils ont détesté. En route pour de nouvelles aventures dans Première compagnie, avec les magasins Jiffy. Rompez avec votre quotidien en suivant Première compagnie avec lastminute.com. Il est où mon bikini? Devine! La météo, avec les prêts IMO adaptables CIC. Groupe CIC, parce que le monde bouge. Madame, Monsieur, bonsoir. Après un début de semaine bien arrosé, la fin sera beaucoup plus sèche, mais aussi plus ensoleillée. Explication avec les images du satellite. Alors aujourd'hui, on a toujours eu cette perturbation qui traînait avec ce qu'on appelle les petits fronts secondaires, donc de l'instabilité à l'arrière. Et puis petit à petit, les pressions remontent, l'anticyclone s'installe, enfin s'installe, il passe en tout cas sur la France et pour l'instant, il nous bloque cette perturbation. Par conséquent, ce que nous aurons demain matin, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de basse couche de la Normandie et de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, donc beaucoup de nuages bas et très peu d'éclaircies. Ailleurs encore de l'humidité à cause de la perturbation qui traînait aujourd'hui sur les régions de l'Est. Quelques averses près des frontières, quelques-unes aussi sur le massif central. Et en revanche, beaucoup de soleil près de la Méditerranée, mais avec du vent. Dans l'après-midi, donc, ces nuages bas devraient laisser de la place à de belles éclaircies. Quelques-unes aussi du Pays de Caux jusqu'aux Alpes, mais toujours beaucoup de nuages et des averses près des frontières belges et allemandes, avec un petit voile nuageux qui va s'installer l'après-midi sur la Bretagne. Les températures, demain matin, elles sont stationnaires. Le minimum pour Besançon avec 4 degrés. 5 sont prévus à Aurillac, pas plus de 6 pour le Limousin et 11 degrés sur le golfe du Lion. Dans l'après-midi, c'est à Nîmes qu'il fera le plus doux avec 22 degrés. 17 sont prévus à Agen. Le minimum à Amiens avec 12 degrés. Alors, la fin de la semaine, du côté des températures, bon, bah, ce sera très agréable et presque estival, hein, vendredi et samedi, avec du soleil, un voile nuageux sur la façade atlantique et peut-être quelques averses sur les Alpes-Maritimes et sur la Corse. Samedi, du beau soleil, quelques entrées maritimes tout de même sur le golfe du Lion. Et puis, dégradation au fil des heures par l'Aquitaine, avec la remontée en provenance de l'Espagne et de l'Atlantique de ces pluies qui vont s'installer dans la nuit de samedi et dimanche.
et à la mi-journée, dimanche, on va les retrouver sur toute la moitié sud, y compris sur les montagnes du Jura, avec de la pluie, avec certainement quelques coups de tonnerre sur les Pyrénées et sur la Corse. À l'arrière, beaucoup de nuages, c'est-à-dire sur un bon quart nord-ouest, et des averses. Et puis petit à petit, le soleil deviendra aussi peau de chagrin des Ardennes à l'Alsace. Et les températures, du coup, rebaisseront dimanche. Je vous souhaite une très bonne nuit et on en reparle de toute façon tout à l'heure. Bonsoir. Avec le groupe CIC, parce que le monde bouge. Samedi, Christophe de Chavannes et Sandrine Quétier présentent les 100 plus grandes gamelles de tous les temps. Des chutes et des gamelles pas bidons. Cascade volontaire ou pas, gadin magnifique, chute magistrale. Belle gamelle. Incontournable, irrésistible, les gamelles, même les plus belles, finissent toujours bien. Avec Clémentine Sélarié, Arthur, Francis Lalanne et Thomas Sisley, les 100 plus grandes gamelles, c'est samedi à 20h50 sur TF1. Vie ma vie, avec Télé 7 jours, c'est tout un programme.